quittez pas la vidéo. Voilà, je commence par ça. Quittez pas la vidéo, bonjour à tous. Donc déjà, je vous demandais déjà de rester jusqu'à la fin de la vidéo, parce que c'est un message que j'ai envie d'écouter. Je demande pas ça pour toutes mes vidéos, donc voilà. Déjà de 1, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Ça va pas durer longtemps. Oubliez ce que vous êtes en train de faire et écoutez vraiment ce que j'ai à dire. Ensuite, 2, je vous laisse le temps de liker maintenant. C'est juste un petit pouce bleu, ça vous coûte extrêmement rien. Et ça va permettre de mieux faire voir cette vidéo à tous les gens qui ont arrêté GFX, etc. Donc, je vous laisse le temps de liker. C'est juste un pouce bleu, ça coûte rien. Je demande pas ça pour toutes mes vidéos. Donc, faites-moi le plaisir de liker. Je sais que vous pouvez m'étonner, donc faites-le. Sans vue, sans like. Non, je rigole. Ensuite, je vous demande vraiment de rester jusqu'à la fin. Ensuite, je vais vous demander de commenter ce que votre avis à la fin de la vidéo. Vous allez commenter ce que vous pensez de ce que j'ai dit. Voilà. Et après, vous partagez la vidéo. Que à des pages FX ou à tout le monde. Vous mettez sur Twitter, je vous follow, il n'y a pas de souci. Je vous demande juste de la regarder de A à Z, de liker, c'est juste un pouce bleu, ça coûte rien. De partager pour ceux qui peuvent et ceux qui veulent à des pages FX. Et ensuite, de commenter votre avis. Du coup, merci à tous et bonne vidéo. Bonjour à tous, donc voilà, j'espère que vous avez déjà liké la vidéo, que vous allez mettre votre avis en commentaire en fin de vidéo et que vous allez la partager et que j'espère que vous allez la regarder. J'ai un petit message à vous dire en fait. Déjà, je vais commencer le GFX Minecraft, il est loin d'être mort. Il a baissé en 2017, mais comme je fais que le répéter, il va revenir. C'est à vous de faire en sorte qu'il revienne en fait. Donc forcément, oui, Minecraft, il baisse de réputation et ça baisse le GFX. C'est entièrement normal. Mais c'est à vous de faire revenir le GFX, en fait. La plupart du temps, vous avez quitté le GFX, vous avez arrêté le GFX, vous avez envie d'arrêter le GFX, vous avez pas envie d'entrer dans le GFX, parce que je sais que des gens vont m'écouter qui ont envie d'être GFX, mais qui hésitent à le faire. Mais en fait, je vous explique, depuis le début, moi, je suis resté. Il y a des raisons. Je suis resté depuis le début. Il avait beau être mort, je suis pas parti. Et je fais que le répéter, les gens vont revenir. Et c'est ce qui est en train de se passer. Je vois des gens qui reviennent au fur et à mesure. Je vois des gens voilà, qui reviennent. Et tous ceux qui ont arrêté, tous ceux qui n'ont pas envie d'être GFX, tous ceux qui hésitent à arrêter, arrêtez de vous fier aux avis négatifs des gens. Et fiez-vous aux avis positifs. Vous en avez tous des avis positifs. Ne faites pas vos victimes à dire vous n'avez pas des avis positifs. Voilà. Vous en avez tous. Vous n'avez pas que des avis négatifs. Donc vous avez fait des choses que beaucoup ne seraient pas capables de faire. Donc soyez fiers de vous déjà. Arrêtez d'écouter les rageux. Au contraire, les rageux, faut les utiliser. Moi, tous ceux qui me critiquent depuis le début, bah, je les remercie parce que jamais je serai à ce niveau-là en fait. Et aussi, sans eux, je ne serais plus sur YouTube en fait. Car le fait en fait d'entendre les gens rager, je me dis, ouais, si je reste, si je persiste, ça va encore plus les faire rager. Dites-vous ça dans vos têtes, vraiment dites-vous ça. Donc je continue. Arrêtez de dire que les clients, la commu, etc., blablabla, et pas en couille. La commu, faut vous adapter. On vous fait chier, vous bloquez. Un client va vous voir, blablabla, vous bloquez, vous lui dites non, c'est mort, blablabla. Voilà, vous bloquez. Vous prenez pas la tête pour quelque chose que vous avez envie de faire. Vous prenez pas la tête, vraiment. Vous avez tous commencé à faire du GFX, c'est pas pour rien. C'est que vous aimez ça. Si vous avez touché au GFX, c'est que vous aimez ça. C'est obligatoire. Donc si vous y prenez du plaisir, gâchez pas votre passion. C'est comme si vous sortiez avec une meuf et que vous empêchez de faire des choses. Vous, votre pote, il sort avec une meuf, elle vous empêche de faire ci, ça, vous allez lui dire à votre pote, arrête de te bousiller la vie et l'écoute pas et fais les choses que t'aimes. Et bien là, c'est exactement pareil. La meuf, c'est la commu. Arrêtez d'écouter la commu et faites ce que vous avez envie de faire en fait. Parce que vous gâchez votre plaisir à cause de gens qui savent même pas toucher un putain de clavier. Donc vous avez tous du level, arrêtez de dire vous avez pas de level, vous avez tous du level. Regardez ma première bannière, je vous l'affiche à l'écran. Regardez ma première bannière. Voilà. Regardez ce que j'ai fait pour la première fois. Et regardez ce que je fais maintenant. Et je suis pas plus con que vous. Au contraire, vous êtes bien plus intelligent la plupart que moi. Donc arrêtez de critiquer. Tout le monde se fait critiquer. Et allez pas me dire que puisque moi j'ai une grosse communauté, blablabla, c'est plus facile. Ouais, vous m'encouragez et je vous en remercierai jamais assez. Je vous en remercierai jamais assez. Mais qui dit plus grosse commu, dit plus de chances de se faire critiquer. Il y a plus de personnes qui ont des chances de tomber sur ma chaîne et de dire ce que tu fais c'est de la merde. Mais c'est à vous de changer la commu en fait, c'est à vous de changer ça. Si les gens reviennent, vous reviendrez. C'est un mouvement. Si vous voyez des potes qui reviennent, vous allez revenir. Donc vous revenez, vous refaites du GFX, re-soyez actifs comme avant et vous allez voir. Tout va revenir, vos potes ils vont revenir. Donc touchez au GFX, là, revenez, allumez Cinema 4D, allumez, je sais pas, voilà, regardez des anciens speedart, etc. Regardez les anciens speedart que vous faites, etc. Ça va revenir. Remettez-y vous doucement. Faites ce que vous voulez à votre rythme et vous verrez. Votre commu elle va s'agrandir car il y aura plus de GFX qui va revenir. Donc votre commu elle va s'agrandir. Donc soyez fiers de là où vous en êtes et soyez fiers et arrêtez de perdre espoir en fait. Donc maintenant faites ce que vous avez à faire. Ne vous prenez plus la tête. Soyez heureux, soyez fiers. Et tout restera dans l'ordre. Oubliez la commu qui part en couille, oubliez les dramas, je m'en fous. Faites votre truc. Et ceux qui critiquent, vous les oubliez. Vous les oubliez, con. Voilà.
Donc j'avais juste ça à dire. Je sais pas si ça va aider. Ceux qui ont des choses à dire, mettez-vous en commentaire. Je répondrai à tout. Comme d'hab, likez, abonnez-vous si il y en a qui sont nouveaux. Et voilà. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. Ciao à tous. Et n'oubliez pas de partager et de liker. Merci à tous ceux qui l'ont regardé jusqu'à la fin. Et ciao.